Petit stream ce soir de test. On va tester quelques parties. Alors, tout va bien pour le moment. N'hésitez pas à aller sur le chat. Bonsoir à tous. Je vais essayer de gérer tout ça en même temps. Voilà, bon, bah ce premier stream, je vais essayer de blitzer et de commenter en même temps. Chose pas évidente, il va falloir prendre ses habitudes. Donc j'essaierai de vous expliquer toutes mes idées, etc. Voilà, bon, je répondrai à toutes les questions. Ah, merci Guillaume Ricou d'être là, bienvenue. J'essaierai de répondre directement à la voix. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez envie. Tout team, il me reste à peu près 2 minutes avant de démarrer ce stream. J'espère que la disposition des fenêtres, tout ça vous convient. Et puis, on va essayer de faire quelques belles parties, on verra bien. Alors, allons-y, je vais défier un adversaire, déjà. Allez, c'est parti. Bon, un petit D4 F5, déjà, alors il y a un petit décalage. Alors, une petite hollandaise. Ouh là là, ça recommence à chaque fois. Ils jouent toujours la même chose, les types. Ok, F6, on va essayer d'éviter les gambis, les E4, etc. Alors, qui est C6 le coup à la mode? Souvent, la réponse est D5. On bondit en E5. Prise en E5, on attend E4, et sur E4, on joue F4, avec l'idée de cavalier H5. Voilà, bon, ma théorie s'arrête à peu près ici, il va falloir que je bosse un petit peu. Alors, pas facile. Bon, ici, il y a quand même du contre-jeu, parce que vous pouvez voir que les pièces blanches sont très actives. J'ai deux jolis fous braqués sur le roc. Un cavalier et une tour, il reste plus qu'à amener la dame, quoi. Alors, ça fait réfléchir un peu mon adversaire. Alors, fou E3. J'avais quand même envie de jouer E6 pour jouer Dame H4. Bon, allez, jouons à l'instinct. C'est la première partie du soir. Fou D4. Bon, je sens que F4 c'est pas si mal. Je veux rejouer Dame H4. Je veux à tout prix jouer Dame H4. Hein. Ouais, jouer Dame H4. Hein. Bon. Voilà, maintenant. Va falloir commencer à créer quelques menaces sur ce roc. Bonsoir Guy Liju. Bienvenue. Merci d'être là les gars. Au début, ça va démarrer doucement, je pense. Hein. Alors là, il a un petit temps d'arrêt encore. Je sens qu'il va jouer Dame F3 quand même. Des fois, c'est bien d'essayer de deviner les coups de son adversaire. Quoi. Alors, il joue fou F3. Je m'attendais pas du tout à ça. Bon, j'ai envie quand même de jouer E5. Au moins pour contrôler la cage G4. On va menacer F2. On sait jamais, sur un malentendu, il y a peut-être des sacrifices sur F3. Bon. Qu'est-ce que je peux faire ici? Bon, je vais jouer un petit coup de fou D7, on va essayer d'amener les pièces. Hein.
Ce serait bien que j'arrive à doubler sur la colonne F. Bon, on va essayer. Voilà, on a doublé sur la colonne F. Oh, il y a une fourchette. Les fourchettes, c'est pas mon fort. Hein. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer ici? Pas facile, hein. Pas facile. Bon, on va essayer de tenir cette position, quand même. Bon, j'ai donné une qualité, mais il y a toujours cette tour A1 qui joue pas. Donc, tant qu'elle ne joue pas, peut-être ça va aller, hein. À voir, à voir. J'ai un bon coup de fourchette, ouais. Merci Loïc, très sympa. Très sympa. Bon, un petit cavalier là, ça fait pas de mal. Hein. Faut que j'arrive à jouer tour H4 en fait. Tour H4, déjà, ben non, c'est plus la même. Pion H2, on va le manger hein, déjà. Tu vas pas t'enfuir si loin que ça, quand même. Il veut s'enfuir, le bougre. Ah là là, il joue bien, hein. Il joue bien. On va essayer de repositionner nos pièces, le pion F3. Ah, je m'en doutais qu'il allait rendre la qualité. Je vais bloquer ça pour l'instant. Et puis on va avancer les pions. Hein. Centraliser le roi. C'est d'attaquer les pions là-bas en B2. Pion A2. Bon alors on avance le pion H, on va à dame. Hein. Bon, mon roi il est encore dans le carré pour l'instant. Ouais, il est encore dans le carré, là je pense que je dois gagner cette partie normalement quand même. On va jouer un petit coup de tour sécurisant. Pas très sécurisant que ça. Hop. Petit coup de B6, bon, on va manger le pion quoi. Il faut attaquer les pions, là je suis lent. Je suis très lent quoi. Quelle lenteur hein. Bon, on va essayer d'aller protéger les pions. Bon, une victoire pas très brillante. Bon, victoire autant. Bon, pas facile pour une première de commenter et de jouer. Je sais pas ce que j'ai raté. Je sais pas si vous avez vu des choses, vous, dans le chat. Mais je sais pas du tout. Ah, merci Alex, Papy John à la souris. Bon, j'ai quand même 14 secondes. D'avance. Il faut regarder mon beau chapeau aussi. Hein. Ma petite femme, elle me laisse jouer, alors je lui fais plaisir. Hein. Bon, allez, on va lancer un autre défi. Alors, pourquoi il met ça? Je ne comprends pas du tout. Bon, je sais pas, ouais. Je suis fait un nouveau défi. Hein. Bon, un petit E4. Bon, un petit Mora, on va voir ce que ça donne. Hein. J'essaie de prémouver quand même un petit peu pour faire plaisir à mon Alex. Bon, celle-là, on me l'a déjà jouée. On n'arrête pas de me les jouer, celle-ci, quoi. Celle-là, on ne l'avait pas encore faite. Un petit coup de fou G4. Là, 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait ici?
Jouer trop vite, hein. Des fois c'est ça quand on joue trop vite. Va falloir se calmer un petit peu au niveau rapidité. Pff, ça fait pas rêver tout seul. Ça fait pas rêver. Alex, bon, je vais accepter ma faute et je vais jouer fou E3. Hein. Moi j'ai perdu 40 secondes sur cette connerie, quoi. Bon, je vais jouer le H3, quoi. Fou E6, bon, on va essayer d'activer les pièces un petit peu quand même, parce que là, c'était pas brillant. Bon, on va mettre le cavalier en D5, ça doit être une bonne case, quand même. J'aurais pu prendre A7 quand même. Je suis pas terrible sur ce coup-là, quoi. Bon, allez, il faut aller de l'autre côté. Hein. On va essayer de contrôler quelques cases. Il a pas l'air commode celui-là. On va prendre la colonne. On va toujours être surpris. Il veut pas le bougre. Hein. Il veut pas. Bon, ça serait bien d'avoir des idées là. Bon, on va essayer de doubler sur la colonne. Oh là là, le fou. Si je donne toutes mes pièces, ça va pas le faire. Hein. Bon, ça fait pas rêver celle-là, c'est pas terrible. Bon. J'ai envie d'avoir un peu de jeu, mais j'ai rien du tout en fait. Hein. Ouais, c'est Noël là, tout à fait, ouais. Tout à fait Noël, Alex. C'est parce que tu regardes sûrement ça. Bon, ça fait pitié cette partie. Ça fait vraiment pitié. Hein. Bon, c'est comme ça, il faut savoir jouer avec des pièces de moins, hein. Il faut apprendre. Hein. Bon, j'aimerais. Ouais, je sais pas trop. On va récupérer un pion, hein, c'est toujours ça, quoi. Je sais jamais si j'arrive à mettre deux tours sur la septième. Je sais jamais. Je vais déjà en mettre une. Bon, on va mettre la deuxième, on sait jamais. Attaquer les pions, on va jouer G5, ah, il a vu G5. Je suis lent. On va défendre un petit peu, même si ça fait toujours pitié. Oh là là, les fourchettes, il menace toutes les fourchettes là. Bon, je crois que celle-là, il faut se résigner, hein, celle-là. Ouais, je crois quand même que je vais avoir du mal à tout éviter. Allez, bravo à mon adversaire. Bon, bah vous voyez, des fois ça peut mal se passer quand même, hein, ce Mora, des fois. Là. Ce coup de fou G5, fou E3, c'était bien bidon quand même. Ouais, ce coup de fou G5, fou E3, là. Ouais. Ouais, la fou G5. Quelle horreur. Hein. Fou G4. Comment j'ai pu laisser venir le fou en G4 en fait? Bon, allez, on reste pas sur la défaite. Hein. On enchaîne. Hein. Bon. Faut se faire du mal, hein. On recommence. Un refus. Bon, souvent, je dis que le refus, en fait, c'est un aveu psychologique, quand même. Hein. Bon, moi, j'essaie de garder les pions. Hein. Je suis comme ça, quoi. Bon, ouais, je garde les pions.
Alors ça c'est fort quand même, c'est moi qui joue un gambit et j'ai un pion de plus quoi. Leur atout quoi. Ah je gagnais la dame, Guilidjou. Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Bon, je vais jouer un coup de fou G5 quand même. Développer les pièces. Hein. Bon, on va garder ce clouage. Je vais jouer un petit coup d'H3 quand même. Bon, voilà. Ça, c'est pas mal déjà. On va changer les dames, non? Alors, il ne change pas les dames. Continuer à mettre la pression. Changer les dames, j'ai un pion de plus, on va faire comme Laurent Fressinet, un pion de plus, on échange les dames, allez hop, c'est parti. Bon, faut que je fasse attention à mon cavalier F3 quand même qui des fois est en l'air ici. Je vais me prendre un cavalier pour G4, ça va pas louper ça. Je pense qu'il est en train de regarder ça. Ah même pas. Ouais. Ouais, bon, je vais jouer un petit coup d'A3, quoi. Un petit coup de roi G2, ça fait pas de mal, on sécurise les pièces. Bon, j'aime bien ce coup. J'ai quand même laissé la case de 2, mais... Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Il veut m'en foutre. Est-ce que je m'en fous? Non, je m'en fous pas. Hein. Pas évident encore. Hein. Bon, on va attaquer le cavalier aussi. Hein. Je sais pas ici si des fois les cavaliers E5 ça fonctionne. Hein. Tour pro E4, tour pro C4. Vous voyez des idées comme ça pour couper la défense. Ah, ça me donne une tour. Non, ça me donne pas de tour en fait. Si, ça me donne. Qu'est-ce que je fais ici? Je délire ou quoi? Je vais prendre comme ça quand même. Je me prends des trucs tactiques à 2 balles quand même. Où est-ce qu'il va ressortir où? En B2 quoi. Pff, oh là là là, c'est l'enfer ici. Je suis en train de tout donner. Donnez, donnez-moi, c'est ce que dirait Enrico Macias. Donnez, donnez, vous le reverrez. Bon. On va essayer de jouer comme ça. J'ai pas d'idée là dans cette partie. Hein. C'est fou. Ça fait 2 moras que j'ai pas d'idée là. Bon, en plus, si je donne tous mes pions, ça va pas le faire. Hein. Bah, je vais jouer comme ça. Je donne tous les pions en fait. Faut encore faire cavalier prend C4 que. Quelle horreur. Hein. J'ai donné tous mes pions. Tous mes pions. Bon, c'est jamais qu'il y a les B6. Bon, là, je joue vraiment des coups de merde. Hein. Il joue bien ce filou. Hein. Bon. Là, j'avais pas vu tout ça en fait. Un échec. Attaquer le cavalier. Il va jouer roi D5. Je vais aller là-bas. Pas facile pour moi ici cette partie. Bon, j'ai 20 secondes. Je vais essayer de faire ça. Ouh là là, j'allais donner toutes mes pièces encore.
Bon, il me donne le fou, mais... Bon, le cavalier aussi, là, ça commence à faire beaucoup, quand même. Bon, là, ça doit gagner, hein, si je suis pas trop lent. Oh là là, le vol, hein, quand même, cette partie, c'est du vol. Hein. C'est du vol, là. C'est du vol caractérisé. Bon, là là, tu pourras abandonner, quand même. Je peux pas te mater en voiture, quand même. Une seconde quoi. Abusé quoi. Craquage du coach, ouais, tout à fait Guilidjou. Tout à fait le craquage quoi. Un truc de malade. Hein. Bon là c'était du vol caractérisé quand même cette partie quoi. Pff, quelle horreur. Hein. Et je joue comme un escargot quoi. Comme un escargot. Ouais, petite pression, mais bon, là, il va falloir élever le niveau si je veux faire un peu plus de spectacle quand même, hein, parce que franchement, c'est pas très joli là. J'espère que vous m'en voudrez pas trop de gagner ce genre de merde. Hein. Bon, pardon, excusez-moi. Faut pas tousser en ce moment, en plus, il faut tousser dans son coude. Bon, je vais jouer une Chigorine, hein, essayer quoi. Bon, j'aime bien mettre un peu la zizanie au centre ici. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? KLC3. Chaque fois, je crois que je gagne une pièce dans cette variante. Hein. Chaque fois, c'est la même pièce. Chaque fois, c'est la même. Chaque fois, ce cavalier F3 qui est cloué et avec la prise en G2, quoi. Toujours la même. Le même piège à chaque fois, quoi. Ah là 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 là. Bon, je vais prendre la pièce. Moi, je suis un petit joueur. Hein. Un coup de défense quand même. Faut essayer de faire attention de pas mal placer les pièces ici parce qu'F4 va arriver vite. Bon, maintenant j'ai une pièce de plus. On va essayer de jouer un peu mieux quand même. Bon, faut se développer, hein. Faut se développer. Ah ouais, bah les vols, ce sont les meilleures parties, hein, frérot, c'est clair, quoi. Il y a vraiment les meilleures parties, Alex. Hein. Surtout dans des blitz comme ça. Bon, je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il cherche, en fait, ici. Pas facile. Alors, tour B2. Moi, je comprends pas. Bon, je vais roquer, hein. Alors ok, on va essayer de cacher son roi. Alors là, il n'a pas l'intention d'être gentil celui-là. Alors qu'est-ce qu'il va me faire, hein? Bon, je vais mettre une tour en E8. Tous les échanges me sont favorables. Ouais, je m'attendais à ce qu'il joue ça. Je vais essayer de vite échanger les dames. Vite jouer dame là. Moi je veux bien échanger les pièces surtout. C'est ça que je veux. Je veux échanger les pièces. Je veux échanger les pièces. Je veux échanger les pièces comme ça. Voilà, comme ça. Ça me convient. Prendre le pion H4. Bon, pour l'instant, heureusement qu'il n'y a pas cette tour dans le jeu. En plus, c'est le major tacticien. Alors ça vaut quoi? Bon. Je me demande si j'ai pas de... Qu'est-ce que j'ai? Je peux faire fou prend F5 d'un premier. J'ai pas envie. J'ai envie de garder les pièces. Je vois des fourchettes là. J'aime bien les petites fourchettes. Comme dirait Loïc, j'ai un bon coup de fourchette.
C'est pas facile de regarder le chat en même temps en fait, hein. Il faut être à l'affût. Tour G3. Qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Qu'est-ce que je vais faire sur tour G3? Il voit la case F3. Moi, j'ai quand même. Il faut que je fasse attention ici. En plus, je joue lentement, quoi. Moi, je vais jouer ça. La dame, c'est toujours ça. J'avais prévu ce tout petit piège, hein. Je pensais qu'il jouerait fou F1, quoi. Qu'est-ce que ça vaut ça? Qu'est-ce que ça vaut? Bon, je vais prendre le pion. Je vais prendre le fou, je vais éliminer des pièges et une dame de plus, quoi. Pas se prendre la tête, hein. Faire un petit échec ici, prendre ça, prendre ça, amener le cavalier. Bon, 15 secondes, une dame de plus, je crois que c'est fini, hein. Bon, bah voilà, ça va, quoi. C'était un peu mieux que les autres, celle-ci, quoi. Ouais, je dois être le pion du roi passé qui lit doux, hein, c'est clair que. Je dois être le roi du pion passé. Bon, il veut une revanche, celui-là. Bon, on va lui accorder quand même. Bon, il veut une revanche, mais il joue plus quoi. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, hein. Bon, je sais pas ce qu'il attend une seconde. Bon, il veut pas jouer. Ouais, il est parti, hein. Ah, normal avec cette pièce qu'il m'a donnée, hein. Bon, pas facile. Ah, un E4. Alors, lui, c'est cra-cra-cra. Ça veut dire quoi? Qui fait des parties de merde? Déjà, il joue super vite quand même. Alors ça me fait toujours rire les gars qui jouent 10 secondes tout à tempo et puis d'un seul coup, ils s'arrêtent quoi. Bon, je vais essayer de jouer comme ça, comme ça. On va essayer de placer les pièces d'une autre façon cette fois-ci. Bon, je vais roquer. Mettre une tour en C8, une tour en D8. On va déjà mettre la tour en D8. Au cas où, des fois, je peux jouer cavalier F6. Cavalier là. Bon, je joue un peu solide dans ces parties, mais. Bon, c'est du blitz, vous allez me dire. Hein. Là, s'il n'a pas le point vert, c'est qu'il est déco. Merci Alex. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, encore un qui veut me mater, quoi. Ils veulent tous me mater ce soir, en fait. C'est la folie, quoi. Pourquoi ils veulent tous me mater? Je suis un gentil garçon, quoi. Fort que je joue D5 à un moment, quoi. Bon, c'est peut-être le moment. Hein. J'ai pas trop réfléchi, mais c'était peut-être le moment, quoi. Bon, discrètement une menace de mat, on sait jamais en SE. Ok, G3, je m'attendais à ce coup. Je vais jouer tour H4. Dès qu'il enlève la dame, je prends G3. Hein. Vous avez compris le plan, quoi. Il a vu mon piège à 10 cents. Hein. Bon, je vais jouer ça. Oh, il abandonne. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a des fois des réactions bizarres. Hein. Des réactions bizarres.
Bon, je sais pas, vous avez des questions dans le chat là. Je prends un petit verre d'eau quand même, parce que à force de parler, j'ai la voix pâteuse. Et oui, l'eau, c'est bon. Bon bah allez, on va refaire un nouvel adversaire. Bon, c'est pas très brillant pour l'instant, il n'y a pas vraiment de jolie partie quoi. Bon, un E4, un C6, D4, cavalier D2, voilà, une petite carocane, ça faisait longtemps. Fou F5 ou cavalier F6, cavalier D7. Bon, des fois il y a des jolis pièges sur celle-ci quoi. Bon, des fois j'aime bien sacrifier en E6 quoi. C3, on verra bien. Bon, encore un qui est prêt à faire le grand roque, quoi. Bon, allez, grand roque tous les deux, hein. Bon, il a l'air de bien mieux connaître la théorie que moi. C'est clair. On va mettre un fou en F4. Non. Je vais mettre une tour en E1, moi. Je vais mettre un cavalier en E5. Je vais me jouer C5, je pense. Je vais jouer F4. J'aime bien le F4. Hein. Je peux rien, j'aime bien ce coup. Je sais pas, ça va être ma case fétiche. Ça, au début, j'avais dit que j'allais prendre hein, en C5. C'est jamais dans les finales, je peux avoir une belle petite majorité, quoi. Voilà. Bon, je vais mettre le cavalier là. Je taquais le fou D6. Je vais mettre le fou là. Si jamais des vis-à-vis, c'est toujours sympa. Bon, est-ce que j'essaie de jouer cette finale? Ouh là, j'allais faire une bourde. Je vais mettre mon cavalier en F3 en fait. J'ai envie de faire ça, ça et ça. Tour C8. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de jouer C4, mais. Bon, je vais jouer ça. J'ai envie de pousser C4 aussi. Hein. J'ai dit que j'allais le faire, hein. Je peux pas vous mentir. Hein. Bon, je vais jouer ça. Je vais me faire un échec ici, je le sens. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec son petit rallye? J'aime bien jouer ça quand même. Je vais recycler les pièces. Je vais me jouer F5, je pense. Ouais. J'ai envie de mettre le cavalier en D4. J'ai dit que j'avais envie de mettre le cavalier en D4. J'ai envie d'aller en B5 quand même. Je vais aller en C2. Je sais pas si là, dame C5, B4, ça gagne une pièce ou quoi. Je vais doubler les tours. Hein. Pas d'accord. Pas d'accord, il va mettre un fou en G7 qui va être pénible. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ici? Oh là là, ça a l'air d'être encore une poubelle. Je joue trop mal, c'est parti. Hein. En plus, je suis lent, je joue mal là.
J'ai pas d'idée. J'ai envie d'aller sur la 7ème, mais j'ai pas d'idée. Je vais aller sur la 7ème. J'ai prévu d'aller sur la 7ème. On sait jamais, un petit maître des Arabes, ça serait sympa avec mon chapeau tunisien. Ou un tour des 8 là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer fougère. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Je vais reprendre le pion là. Ouais, je suis peut-être pas si foutu que ça, il faut que juste que je joue vite quoi. Juste que je joue vite, bon je vais faire ça, tant pis. Merde. Je peux pas le droit quand on est cloué. Alors, faut que je joue vite. Faut que je joue vite, cavalier C6, ça va être pénible s'il s'enlève de la colonne C. Ah, si je prends le pion F4, c'est nul. Hey, quel sauvetage miraculeux quoi. Ah là c'est encore du sauvetage miraculeux. Hein. Et oui, avec le fou qui contrôle pas la case d'arrivée, le bon sacrifice de cavalier juste à la fin quoi. Incroyable. Oh là là, c'est assez de mauvaise qualité quand même ce soir. Hein. Pas très brillant les parties quoi. Merci Mystix pour le propre tout ça. Ouais, c'est pas monsieur propre là. Hein. C'est plutôt des poubelles. Hein. Bon allez, on continue. Alors E4. C'est les rois de la carreau. C'est les modernes ça ce soir. Hein. Bon je vais la jouer à la Alex. Hein. Oh là là, il veut manger mon pion D4 déjà le mec. Il veut me jouer un cavalier B4. Bon, je vais roquer. C'est pénible, hein. Ils sont pénibles ces joueurs. Hein. Je vais venir avec ce cavalier E6, m'attaquer le pion D4. Bon, je vais faire tout pour F3. Qu'est-ce que tu fais là? Je sens que le F5 bientôt il va faire mal. Hein. La case F7. Petit gars, ça craint. Hein. J'ai envie de sacrifier un moment en F7, ça c'est sûr. Oh, je suis obligé d'essayer. C'est le beau jeu ce soir, on essaye. J'ai envie de prendre ce pion F7, quoi. Mais s'il peut jouer qu'il y a eu D5, putain, je vois rien en fait. C'est pas terrible tout ce que je fais depuis tout à l'heure quand même. Qu'il y a eu D5, on va prendre en fait ça. C'est quand même pas terrible. Hein. Est-ce qu'il va faire rock? On va éviter de se faire mater déjà sur H2. Faire grand rock. On va faire grand rock le bougre. Je vais garder mon fou parce que là, j'aimerais bien le mettre là. C'est jamais de lui réaliser un petit mat de Boden là, à la Loïc.
faut juste que j'accélère un peu. En fait, déjà, ça c'était peut-être débile, hein. Peut-être qu'il faut que je joue ça et ça. Jouer D5. Et le cavalier en prise. Bon, c'est quoi ces expressions? C'est la fête du string mouillé, c'est quoi cette expression? Bah, des fois, j'aime bien le D6 avec le fou qui est là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai quand même. Des fois, j'ai envie de jouer D6 en fait. Bon, je suis en avance au temps. Je vais jouer ça quoi. Voilà, c'est mat, on sait jamais. Hein. C'est même pas mat en plus, je dis n'importe quoi. Je vais jouer ça. J'ai pas compris, c'était mon piège en plus. C'est mon piège à 10 cents, ça. Bon, ça va, c'est encore maté, hein. Oh là là, en fait, ça, c'était le grand principe, élimination du défenseur, hein. Ouais, Guilidjou, c'est du PLS, c'est clair que. Là, je crois que c'est massage cardiaque assuré. Hein. Ouais. Bon, c'est rigolo pour l'instant. Je sais pas, vous en pensez quoi, les gars? Il y a des filles dans le chat aussi, en fait. Bon, là, ça va être du sérieux. Hein. 23-67, déjà, c'est plus sérieux. Qu'est-ce qui va se passer? Il me joue tout ça, quoi. Je joue tout ce qui est C3 pour se jouer ce fou G5 ou ce E4, quoi. Bon, on a connu pire. Hein. Bon, pour l'instant, petit roc, hein, j'ai pas peur. Hein. Prêt à échanger les dames, vas-y. Hein. Vas-y, mon gars, vas-y, mon gars, échange tout. Bon, centraliser le roi. J'aime pas les cavaliers A4, j'aurais pas dû laisser cavalier, permettre cavalier A4. Ah là, je viens de le dire. Hein. J'aurais pas dû permettre ça. Bon, c'est pas si grave. C'est si grave. Hein. Je vais jouer fou C8. Je sens le fou C8, regardez. Je vais jouer fou C8, allez. Je vais mettre le roi en C7 en fait. Je me suis trompé, c'est tout, hein, on va changer de cadre. C'est le genre de position où en fait on peut perdre des tempos. Hein. Bon, roi B8, je perds des temps. Hein. Je vais jouer B6 sans prendre les problèmes de fou prend C6. Quoi. Bon, si je joue tour D1, tout ça c'était bizarre quand même. Bizarre. Alors maintenant la question c'est de savoir qui est mieux dans cette position. Est-ce que ce sont les fous ou les cavaliers? Bon, je vais jouer un B5. Je vais mettre une tour là. On va manger sûrement. Maintenant c'est ce pion là. Qu'est-ce qu'il va faire de ce pion là? Jouer à 5. Jouer ça, je fais jouer ça, donc là j'ai bloqué le fou, j'attaquais le cavalier B2 et je vais jouer cavalier E5, cavalier D3. Je pense que je vais manger B4, c'est un peu une partie méga stratégique en fait. Hein. Alors là ça gagne pas une pièce ça.
J'ai pas une pièce. Il va réussir à s'en sortir, quoi. Quai D4. Il y a de la chance, hein. Ouais, cavalier F3, mais fou prend, pion prend, et quai D4. J'ai vu tout ça. Merci. Ouais, je vais recycler les pièces en fait. Je peux pas me prendre la tête. Je vais essayer de recycler les pièces. Fou D7. Je vais attaquer le cavalier. J'ai vraiment envie de prendre. Hein. Pas vraiment de casse pour que ce cavalier vienne m'embêter là. Si là. Je suis lent en plus. Je suis lent. Je pense que je suis bien en fait. Hein. Je menace E3. Vais jouer E3. Je vais verrouiller la case D5. Ça doit gagner, ça, normalement. Si je verrouille tout ça, je... Je pense que si je mets le roi F6, je vais gagner, hein. Et maintenant? Et maintenant? Échec, bon, ça fait pas de mal, ça fait gagner un peu de temps. Le transexangle, hein. Ah, c'est ça. Hein. Faut là, je vais devoir mater cavalier fou. Ça craint. Ça craint. Faut trouver des idées ici. Hein. Désolé pour les commentaires, je suis un peu long, mais... J'ai gagné des cases déjà. Je me suis fait berner comme un bleu, quoi. Je me suis fait berner comme un bleu sur celle-là, chacun son tour. Dommage parce que stratégiquement j'avais bien dominé quand même. Bon désolé les gars, je regarde pas trop les coups parce que les coups que vous pouvez donner sur le chat quoi. Bon là il faut s'en remettre. Hein. Voilà, quelle horreur. Je jouais trop vite, en fait j'ai mal géré ce temps. Hein. J'avais 17 secondes. Hein. Ouais, j'étais parti pour chercher les pions. Ouais. Bon, celle-là, elle était un peu plus jolie stratégiquement. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, allez, j'en fais encore quelques-uns. Bon, on va essayer de faire mieux que les précédentes là-dessus. Bon, je vais pas dévoiler toutes mes armes. Hein. Quand même. J'aime bien ces petits coups de fouet débiles, là c'est je suis roi de l'affaiblissement là. Voilà, je vais aller manger ce qui est en G6. Essayer du moins. Ou alors mettre le fou en E4. Pas très en forme sur les moras ce soir. Je calcule pas trop bien. En fait j'aimerais jouer cavalier E4, cavalier D6 et bloquer ce pion D7 quand même. Je peux pas m'empêcher, je suis obligé de jouer un H4 à un moment. Ah mais j'ai donné le pion quoi.
Qu'est-ce que je fais comme connerie, quoi. Bon, les moras ce soir, le calcul n'est pas du tout là. Hein. Bon, ok, G5, ça fait pitié. Hein. Je vais jouer H6, quoi. Je sais pas où je vais revenir avec ce cavalier, quoi. Jouer cavalier H7. Voilà, je vais me prendre un cavalier D4, ça va être une horreur. Hein. Cavalier D4 avec l'autre cavalier qui arrive en F3. Oh là là là. Je pense que j'ai eu un peu de chance là-dessus qu'il puisse pas tout de suite jouer ça, quoi. Bon, est-ce que je vais réussir à recycler la dame et aller par là? Et amener une tour en H1 et mater en H7. C'est beau de rêver, hein. Un cavalier prend D5 en bout de course quand même, non? T'as l'air rien du tout. Bon, on va essayer de menacer l'autre côté. Hein. Ouais, je joue quand même de la merde là depuis tout à l'heure. Hein. C'est vraiment pas brillant quoi. Bon, je vais rester sur mon plan qui était de jouer roi G2. Je vais mettre le quai en D3 quand même. Je veux jouer, je veux pas qu'il s'accroche. Je vais jouer roi G2. Puis je vais jouer tour H1 et puis on verra ce qui se passe. Hein. J'ai dit que j'allais jouer tour H1 de toute façon. F3. Échange de dames qui est horrible à ce moment-là. Je vais jouer ça quand même. Tu sais jamais. Je vais mettre du couleur, hein, il connaît peut-être pas. Hein. Je peux mater des arabes hein, si j'arrive à mettre le cavalier en F6, tour en E8, je mate des arabes. Ouais, mais. Je vais essayer de jouer ça quand même, de toute façon. J'ai pas trop le choix. Ouais, là, je suis obligé de rester là en plus parce qu'il va me prendre là. Il faut que je prenne en D2, quoi. Quelle horreur. Hein. Ça tient, ça, ou pas? J'y crois pas, mais. Ça va pas tenir. Hein. Ça va pas tenir. Hein. Peut-être, je vais peut-être la voler autant, mais ça fait pas rêver encore. Hein. Bon, ça fait pas rêver de jouer comme ça, mais bon, pas le choix, les gars. Bon, je vais quand même abandonner, je pense. Un joli patte pour sauver la partie. Quel enfoiré ce John. Quel enfoiré quoi. Oh là là là, le vol. Hein. Le vol. Hein. C'est horrible. Hein. Ouais. Oh là là, le pastateur. Ouais.
Trop fort. Et ça, c'est les meilleures, celles-ci, en fait, hein. Bon, allez, encore. Allez, on va essayer de jouer un peu mieux, parce que là, ce soir, la qualité n'est vraiment pas là, quoi. Ouh là, c'est du lourd, c'est 2400, quoi. Mi-400, il rigole pas quoi. Pas l'intention de rigoler celui-là. Ils veulent tous me mater en fait. Ils veulent tous me mater. Bon, 2400, ce serait bien que j'élève un peu le niveau. Je vais jouer G4 en fait. Ça va pas être facile de roquer dans cette position. J'ai envie de jouer F6 en fait. Je veux absolument chasser ce cavalier quoi. Tout me prendre en fait. C'est moche. Ouh là là, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Alex, on dirait t'es parti quoi. Ouh là là, je vais souffrir là. Je vais souffrir. Bon, je vais échanger. Au moins, je souffrirai, mais. Plus calmement. Dame D7, je crois qu'il va me mettre un cavalier C4 quand même. Au début, j'étais parti pour faire ça et mettre le cavalier en F7 et espérer avoir du jeu, mais j'y crois pas du tout. Hein. Bon. Là, ça fait pas rêver cette partie encore. Cavalier G5. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me mater en F7. En fait, il veut me punir. Hein. J'ai pas été gentil. C'était ce que j'avais prévu. J'ai de donner à 6 de toute façon. En fait, j'ai envie de contre-attaquer sur D4. Quoi. Ça, c'est une fourchette, non? Non, c'est pas une fourchette. C'est pas une fourchette. Je vais faire ça. Je vise la fourchette. Bon, j'ai réussi ma fourchette, mais je suis lent, je suis lent, je suis lent. Bon, désolé pour la main sur le visage, c'est une mauvaise habitude. Hein.
que j'accélère, hein, je suis trop lent là. Trop lent, trop lent, trop lent, trop lent. Trop lent, trop lent, trop lent. Il va falloir que j'avance le pion quand même. Ouais, il faut que j'arrive à temps, hein. Désolé, je suis concentré, il faut que j'y arrive. Bah, avant d'abandonner. Ah, j'ai gagné autant, incroyable. Je le vois là encore. Bon, je crois que je vais m'arrêter sur cette brillante victoire, messieurs. Bon, merci à tous d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de renouveler l'aventure là. 1 heure, c'est déjà pas mal. Donc je sais pas si vous avez des questions là. Je peux bien répondre. Hein. Ouais, là, heureusement que le pré-move était là, quoi. Incroyable. Et c'est incroyable. Bon, finalement, je sais pas quel est le bilan. J'ai dû en perdre une quand même. Perdu la première, c'est ça le Mora. Et après j'ai fait quoi? J'ai fait un joli patte. Et ensuite. Je sais pas, alors ouais bon, je crois que je vais arrêter le stream pour ce soir. Je sais pas, bon, j'attends si vous avez une ou deux questions, je veux bien y répondre. Mais bon, c'est bien fatigant, 1 heure de blitz là. Oui, c'est-à-dire un live, tu veux que je joue Gulidju contre les joueurs, c'est ça? Ah ouais, le bilan, Alex. Bon, alors, ça, dans l'ensemble, ça va, 10 parties quand même. Je souhaite 10 parties. Ouais. Bon, alors, le bilan est positif alors. C'est ça? Bon, ça va, vous en avez pensé quoi sinon dans l'ensemble? Bon, je parle pas des parties, hein, parce que les parties elles étaient assez moches. Hein. C'est difficile en fait de jouer et de commenter en même temps. C'est pas évident, hein. Surtout quand il reste 15-20 secondes. C'est vraiment pas évident. En tout cas, vraiment merci à tous d'avoir assisté. Hein. C'était vraiment super sympa. Ça fait plaisir de commencer à ce genre de stream et de pas être tout seul, quoi. Sacré Gulidju. Ouais. Ok messieurs, bon ben. Non, pour l'instant non, j'arrive pas à baisser le bruit des ventilos, c'est un peu embêtant. Je vais changer de PC prochainement hein, parce que là c'est vrai que ça doit être usant pour ceux qui écoutent.
Même surtout quand il n'y a pas de bruit en fait. Je pense que c'est dans les temps morts que on entend les ventilos, quoi. Ah bah si on entend plus sur un casque, il faut enlever le casque. Bon, en tout cas j'espère que ça vous a plu ce premier stream. Hein. Mais c'est pas évident. Hein. Ouais, j'ai déjà testé le micro-casque. Hein. Mais ça fonctionne pas très très bien, je trouve. Puis bon, toujours avoir quelque chose sur les oreilles. Hein. À quand le prochain? Bah, je vais essayer de faire ça, on va dire une fois par semaine. On va essayer quoi. Après, il y a une vie privée et tout ça, donc faut gérer quoi. Il faut gérer tout le monde. Hein. En tout cas, merci à tous. Vraiment, c'était super sympa. Bon, par contre, le niveau, je vous ai pas trop régalé ce soir. Hein. Je pense quand même qu'il y a une partie intéressante. Je vais essayer, on peut regarder si vous voulez. Hein. Il y a une partie intéressante, c'était celle contre le. Les 2360 là. Il y avait une partie super intéressante, je crois que c'était un 23. C'était celle-ci, je crois, le 2367.